tout le monde, on est reparti sur Blight, le jeu dans lequel on doit survivre dans un monde post-apocalyptique qui est ravagé par une maladie, le fléau. Alors avant de démarrer, petit rappel, vous pouvez tester cette version du jeu en vous inscrivant au playtest sur la page Steam, ou vous pouvez directement demander une clé du jeu au développeur sur son Discord. Vous m'avez confirmé dans les commentaires qu'il répond beaucoup plus vite sur Discord, donc c'est peut-être le meilleur endroit pour tenter votre chance. Alors là j'ai plusieurs objectifs dans cette partie, dans cet épisode. Je voudrais déjà trouver un moyen de me soigner, un moyen de virer la maladie. Le développeur m'a confirmé que c'est possible, mais en progressant dans l'histoire, là vous pouvez voir qu'elle accélère ma faim et ma soif de 10%, enfin 9%, voilà, c'est quand même pas mal, c'est un peu gênant, et ça ralentit la régénération de mon endurance de 5%. Donc, faut trouver un moyen de virer ça, surtout que je vais probablement être forcé de manger des choses contaminées à un moment, je vais arrêter d'en manger autant que possible, je vais ramasser des champis, des baies, mais à un moment il va falloir se lancer sur la viande contaminée, donc c'est un petit peu gênant. J'aimerais également terminer un petit peu tout ce qui se passe avec le fourneau et tout ça, le creuset, donc pour pouvoir faire peut-être des outils. J'aimerais également peut-être construire un abri, on n'en a pas fait beaucoup. Je me dirais que j'aimerais par exemple, voilà, ça c'est pas mal, quelque chose pour faire du cuir, parce que si j'ai du cuir, je peux ensuite, je crois que c'est dans les outils, faire un sac à dos. Non, c'est quelque part là-dedans, cette construction. Il y a un sac à dos que l'on peut faire, perdu dans un de ces menuiers. Faites-moi confiance, il y est. Ah, consommation peut-être. Voilà, il y a ça déjà, mais il y a un sac à dos quelque part. Donc, faudrait essayer de le fabriquer. Mais d'ailleurs, je me dis, je vais peut-être même le faire maintenant. Est-ce que j'ai suffisamment de cordes? Je n'ai... Ah, oui, tu... Je n'ai pas cette corde. D'accord, on va essayer de trouver tout ça. Bah, d'ailleurs, on va manger ça tout de suite. Voilà. Ah, j'ai vu du cuivre juste au-dessus, donc on va en chercher. Ça, ça va être pas mal. Toi, on va te fusionner. Là, le sable, on n'en a pas besoin. Tu vas par terre. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dogbane dans le coin? Il y en a... Oh, c'est voisin. Une lettre. Ok, mais on verra ça plus tard. Je sais plus quoi, la lettre. J'ai peur que ça lance un événement, donc je veux pas l'avoir tout de suite. Ok. Le coyote, je me rappelle de toi. Alors, allez, viens, coyote. Tu fuis déjà? Ah non. Tiens. Ah, alors, je vais attendre, voir... Est-ce qu'il s'arrête? Oh, il se couche? Ok, alors on va essayer de le... Bon, bah, je vais voir s'il revient. Alors là, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu, ouais, voilà, le dogbane, là, il m'en faut plus. J'aimerais bien en tuer, hein, j'ai pas pu... Et là, il y a le cuivre. J'aurais pas pu en tuer, hein. Donc normalement, avec ce que j'ai là... On devrait être bon. Je pense que les bâtons, les grands, les petits, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut. Alors, qu'avons-nous là? Ok, cuivre. Alors, quelle est la différence entre le petit cuivre et le cuivre? Au moins, il ne les donne pas une par une. Donc là, je suis quoi? Je suis à 8 sur 60. Et est-ce que je peux te casser, toi, peut-être? Ouh, je peux te casser. Ouh, parfait. Ben, je peux te casser pour faire plus de petits morceaux de cuivre. Il nous en faut des petits, donc c'est parfait. En avant. Et ça nous en fait x10, donc on est déjà à 18. Donc je dirais encore deux autres filons de cuivre et on devrait être pas mal. Golden Seal, je sais pas trop ce que ça me permet de faire. Ah bah je vais voir si je peux retrouver quand même le coyote et le surprendre. J'aimerais bien en tuer un, surtout si je vais faire du cuivre tout à l'heure. Il a disparu, hein. Ah, là il y a des billes. On en veut. Voilà. Ouh, là, il y a de l'étain. On... Oh. Ok, alors. Tu vas m'attaquer. Tu vas m'attaquer. Il m'a donné une baffe gratuite. Tiens. Ouh, je l'ai eu. Je l'ai enfin eu. Ok, alors ça, c'est un message. Ok, on va prendre la peau. C'est un message à tous les coyotes du coin. Si vous m'attaquez, vous savez ce qui vous attend. Alors, je vais pas ramasser le reste, parce qu'en plus, ça a l'air d'être long à dépecer. Ouais purée, plus 23 de maladie, non je vais jamais manger ça. En tout cas pas tant que j'ai un moyen de la virer, hein, voilà, parce que sinon... Bon, alors, ça met du temps. Ouh, vous me dites pas qu'il commence à faire nuit déjà. Il était 39% infecté. Okay. Alors là je veux l'étain parce qu'on en a besoin pour faire du bronze, pour probablement faire... pour probablement faire mes premiers... Truc en bronze. Alors, toi, on va te démonter du coup. Bah,
Parce que je veux pas que ça prenne trop de place dans mon inventaire. Je pense que là, je pourrais. Là, j'ai les 10 de cordes. Mais j'aimerais en voir un petit peu plus, voir si je peux trouver de l'argile également dans le coin. Toutes ces bonnes choses. Ah, sauvegarde. Ah, là. Ouh. Ça, j'en veux, j'en veux. On n'aura jamais trop. Surtout si je me lance dans la construction. Je voudrais faire un abri parce qu'un jour il va pleuvoir et je sais pas ce que ça va donner. Ah, un lapin mort. Ouh, et ça a été tué par un loup. Est-ce que le loup m'a laissé la peau? Il m'a laissé la peau. Bah, c'est ce que je voulais. Donc, ça, c'est parfait. C'est top quand la vie sauvage est simulée dans un jeu. C'est vraiment génial. J'aimerais bien trouver des champis et des baies par contre. Parce que là, j'ai 8 baies, mais ça va pas tenir super longtemps. Alors, je voudrais retourner. Ça? Ok. Bon, je voudrais retourner près de l'eau. C'est là que l'on va trouver la argile. Ouh, et un autre filon de fer à côté. De fer, de cuivre. Allez. Est-ce que ça va me rapprocher des 80 qu'il me faut? 60. Donc là, j'en ai au moins 20. Au moins 30. Pourquoi tu veux monter sur ça? On a 30, c'est parfait. Ah, oh, et là on a de l'argile. Va falloir, dans pas longtemps, aller me faire à boire. Dandelion. Donc les pissenlits, je sais pas trop quoi en faire pour être franc. Il me faut la camomille qu'il y a là. Il nous en faut 15. Je sais pas trop pourquoi. Ça vient 5 par 5. Bon, ça c'est déjà pas mal. Ça. On va le laisser parce que je sais pas si j'en ai besoin tout de suite. Il y a plein de plantes. Certaines vont être pour la cuisson. D'autres vont être pour faire des potions. Donc ouais. Donc j'ai la camomille qu'il me faut. Maintenant, il faut la laisser sécher. 2%. Mais ça met peut-être un peu plus de temps parce que je vais continuer d'en ramasser. Si j'en trouve. Parce que ça va probablement être utile si nous le font faire maintenant. Là-bas, il y a mon argile. Vous vous rappelez l'argile qu'on avait vue avant, mais... Non, je vais pas y aller. Avec ça me fait pas mal de choses pour la corde. Mais bon, si je veux construire. Si je veux construire. Ah, plus de place. Ouais, j'ai jeté un caillou par terre. Juste un caillou. Ok, je vais en avoir besoin là. Ah, donc toi, on va te poser par terre. Ça et on va démolir ça, en faire des petits morceaux de cuivre, ce qui va me permettre de débloquer une place. Et je continue mon exploration. Ou de l'ail sauvage. D'accord, ça améliore le résultat, la valeur nutritionnelle des repas. Donc ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs là, j'ai compris que maintenant je peux lancer des cailloux. Je le savais pas. Je peux m'en servir comme arme. Donc c'est bon à savoir. J'appuie contrôle et voilà. Et on lance. Et là, c'est incroyable le nombre qu'il y a de dogbane. Donc c'est de la fibre pour la corde. Bon, je vais me rapprocher à nouveau de l'eau parce que ce que je veux, c'est trouver des minerais. Il y en a souvent. Ah, et de l'argile. Et il y en a souvent à côté de la rivière. Je sais pas pourquoi. Alors, faut que je fasse gaffe parce que parfois je bois sans faire gaffe. Ah, ici. Sandstone. Sandstone, c'est quoi? C'est du grès? Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que j'en ai besoin là? Je pense pas. Oh là, il y a du cuivre. Ok, ça j'en veux. Ça va, c'est quoi? C'est peut-être de l'étain là-bas? Non. De la cassitérite. Ah, et là il y a de l'étain. Parfait. Alors, hop. Plus de place. Ok. Toi. Et maintenant. Ah, bah on a atteint, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je vais faire 5 de cordes. Un moment, il va falloir rentrer. Et j'ai apparemment eu l'étain qu'il me faut, il m'en fallait 7 et j'en ai. Ouh, j'en ai 23. Waouh, ok, je pensais pas qu'on avait autant. Mais on va finir cet endroit. Bon, je pense que j'ai fini, mais j'ai besoin de nourriture là. J'ai besoin de nourriture non contaminée. Donc je suis en train de fouiller les buissons à la recherche de. De baies, mais ça a pas duré super longtemps. J'ai dû me débarrasser de l'ail. Bon, il est pas loin, je vais peut-être pouvoir le récupérer après. Faut vraiment quelque chose là parce que. Regardez, ça me fait remonter ça, mais ça me fait pas remonter tellement. Hein. Donc, un autre moyen. L'eau, c'est pas un problème. Ah, la nourriture, c'est autre chose. Alors, ah, bah tiens, oh bah tiens.
Oh, j'ai fait rater ça. Ça aurait été trop dommage. Allez, hop. Voilà. Je récupère mon ail, je vais le jeter quand il faut. Alors, vous voyez là, il y a du dogbane, mais j'ai plus de place. C'est 20 le max de stack pour le dogbane. Ah, un autre buisson de baie. Bon, bah, tant que je peux. Hein. Tant que je peux. Ah, juste au moment où je décide de repartir. Je trouve un super filon d'argile. Et là, je crois que le... zut. Qu'est-ce que je peux jeter? Je vais jeter le ginseng. Ah, je suis sûr que j'en ai besoin ça pour... Pour me faire des potions, mais... Un dernier. Voilà, pas assez de place. On en a 12, ben on va revenir, hein, je sais, c'est simple, il suffit de suivre la rivière. Allez, on rentre. Et nous voici de retour. Alors, on a besoin de cordes. On va en faire tout de suite. Il faudrait 3. Donc, c'est parti. Une fois que les 3 là sont faites, il va me falloir des bâtons. Mais ça, je devrais avoir en bonne quantité. Il va me falloir boire, par contre, ça c'est urgent. Ok, alors... l'argile, on la pose par terre. Ça, ça doit sécher dans nos poches. On va garder ça pour le moment. Ok, alors, si je me trompe pas, je devrais... Ah, il me faut déjà à nouveau couper du bois pour relancer le feu. De toute façon, la nuit va bientôt tomber, donc... Ah, je vais les couper l'autre, c'est pas grave. Allez. Tac. Tac. Ah, il y a toi dedans. Attends, on va te mettre par terre, je vais pas te manger tout de suite. On va récupérer ça. Il nous faut de l'eau. C'est le grand bol. Il s'est rempli. J'ai cru que je buvais là. Hop. Alors. Tac. En avant. Maintenant. Construire, construire toi. Il me faut 4 bâtons, 9 grands bâtons. Alors. Je devrais être là-dedans. Les sticks. Il y en a là-bas, mais il me semblait qu'on avait en grand nombre. D'accord, bon, bah on va ramasser ce qu'il y a à côté. Hein. Il y en a partout, de toute façon. Et normalement, avec les deux là, ça devrait être bon. Un peu de place, ça va pas faire de mal d'en ramener d'autres. On va en avoir besoin un moment ou un autre. De ça. Hop. Non, non. Pourquoi je... Ramasse ça. Les champignons, est-ce que je peux les ramasser? Ouais. Ah. Alors, juste pose-toi là temporairement pour voir si je peux le manger. Je peux le manger. Plus 2. Génial. Ça vaut 4. Ce champignon vaut 4 baies. Donc, ouais. Ah, un champignon. Là. On va le tester, il faut, ce que je me rappelle. Ouh. Ça, ça vaut 5 baies par champi. Génial. Et là, il y a du cuivre. Ouh. Je ne sais même pas qu'il y en avait encore si proche. Non, non, mais... Non, mais après, tu essayes d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, oh là là, j'ai dû cliquer en dehors de la fenêtre pour le calmer. sur la tête. Ok, donc du coup, tac, tac, fais-moi ça. Vu que l'on a 10 de plus, ça va me ramener à quoi, 98, quasiment 100, c'est génial. Non, non, jette pas le caillou. Et du coup, bah, on va rentrer. Là, le rouge, je pense que c'est une mauvaise idée. Ouais, ça, c'est probablement une mauvaise idée également. Ah, le bâton. Et du coup... Oh, j'ai eu peur là. Non, non. Du coup, toi. On va te mettre ici.
construction. Small stone, fell apart. Oh, le... je crois que je me servais de la pierre comme outil de construction. Est-ce que je peux en prendre une autre peut-être? Est-ce que ça va être plus rapide que d'utiliser un bâtonnet? Ouais, je crois que c'est 2% avec le petit bâtonnet, il me semble. Faire-toi. Non, c'est la même chose, j'ai rien dit. Elle s'est vite cassée, hein, la petite, le petit caillou. Voilà, alors maintenant, faut récupérer les pots. Graisse, ok. Pot de lapin. On va voir ce qu'on peut faire avec. Pot de lapin. Pot de coyote. Ok. Une autre pot de lapin là. Ah, c'est tout, je pense. Je sais pas si là-bas ça a été activé. Je n'en vois pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Non, ça se met pas. Ah, il faut déjà traiter la peau. J'ai rien pour la traiter. Est-ce que ça aurait été une construction pour rien? On va le mettre là. Faut voir ce que je peux faire. On regarde. Ouh, je peux faire une brouette. Ouh, ça c'est pour attraper l'eau, pas mal. C'est plus la nourriture là mon problème que un atelier. Faut des planches, on n'a pas encore les planches, coffre des planches. D'accord, donc il faut plus regarder ce qu'il y a au début. Alors, pendant qu'on fait, que je cherche comment traiter les pots, je me dis que je vais faire ça. Je peux pas encore me lancer dans ça malheureusement, mais on va faire au moins celui-là. Ça va protéger de la pluie pendant mon sommeil. Alors, ah bah, je suppose qu'il faut le mettre. C'est comme ça qu'on le tourne. Oh oh. Trop loin, trop loin de quoi? Je vais te mettre là. Je peux pas te mettre là et après glisser le... Trop loin, trop loin. Ok, il faut qu'il soit là. Mais dans quel... Vous savez quoi? On va essayer de ranger ça. Voilà. Maintenant, on retente. Quelque chose trop loin. Alors j'ai pu le poser en nettoyant un petit peu ce qu'il y avait autour. Ouais, c'est un peu bizarre. J'espère, je peux le démonter, donc je pourrais le repositionner plus tard, mais il faut que ce soit suffisamment proche du feu, hein, pour j'espère le lit. Alors du coup toi, hop, et ça, et on construit, c'est parti. Hop, hop, oula, je commence à avoir très soif. Je crois que j'ai mis de l'eau à bouillir, faut que je vérifie. Voilà, alors. Ah, et ça y est. Ah bah tiens, du coup, si je te mets là-dedans, ça va me donner un résultat faible. Ça va me redonner 0,2 de vie par minute pendant 48 minutes, donc ça va me redonner 24 points de vie au total. Ouh, ça va pas être gigantesque. On va peut-être attendre un petit peu. Tu mets 80 au lieu de 75. Ça reste faible. Il me faut en trouver plus pour essayer d'améliorer l'effet. Donc on va boire. Et ouais. Ouais. La nuit arrive, la nuit arrive. Très bien. Je vois comment positionner maintenant mon petit sac de couchage. On va lancer le feu. Il n'a pas plu encore pour le moment, il me semble. À savoir que si je ne me trompe pas, quand il pleut, on peut obtenir de la boue. Ce qui va me faciliter la fabrication de mortier. Ok. Voilà, du coup, est-ce que j'ai pas plus de camomille à porter avant la tombée de la nuit? Je vais me balader, bah tiens, je suis allé vers la droite, je vais aller vers là. Il y a encore quelques heures de soleil. Oui. J'ai mis le feu, mais je l'ai mis pour pouvoir remettre de l'eau. Si
Si je remets pas de l'eau, ça ne sert à rien de l'allumer. Bon, et on va lire la lettre également. Oh, je stresse. Quelqu'un est venu là et a posé la lettre. Donc, ouais. Oh, on a vu votre campement, la fumée de loin. On arrive dans 2 jours. Comment ils m'ont envoyé la lettre? Oh, oh. Ah, il y a du monde qui se ramène. Est-ce que c'est des amis ou pas? Bon, alors on va chercher notre camomille. Et de la nourriture si on peut. Dans la forêt. Red Cap, bah tiens, on va quand même ramasser ça et on va voir. Parce que je veux être sûr. Peut-être que. Ah, c'est des jeunes. Celui-là. Ouh. Le Red Cap est comestible. Bon, à savoir. Non. Pas le sol. Bon, ça, j'ai pas vraiment d'espoir. Ouais, moi, 6 points de vie. Débarrasse de toi. J'ai passé par là. Oh, 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 oh. Oh là là. Non. Oh, je les ai eu les deux, mais je suis presque mourant. Oh. Passer l'espace. Je vais retirer le temps des lions. On va récupérer la peau, mais... Oh là là. Oh là là, là c'est terrible. Il va falloir manger ça un moment également. Les saucisses. Et j'ai pas trouvé de camomille, mais j'ai trouvé des champignons que je vais pouvoir manger. Je vais voir juste si je peux les cuisiner en fait. Allez, alors on m'a dit qu'il y a un bouton, oui, il y a un bouton que je n'ai pas vu pour accélérer. Ah ouais, ça c'est pratique ça. C'est l'espace, ça prend un espace. Ok, on va se débarrasser de toi. Ah, c'est dur en accéléré. Ah là là. Terrible. Alors je suis où? Vers la droite. Ah là, je suis proche de la mort là. Bon, j'ai pris le risque. Et j'ai trouvé un peu plus de camomille. On va essayer ça maintenant. Alors. Hop. Faible. Ça reste faible. L'effet ne change pas. 126 millilitres. Donc finalement... Ah, c'est parce que j'en ai mis trop. Ah, c'est l'inverse. Ok, il faut en mettre 20. Oh, d'accord. Bon bah j'en ai rangé. J'ai de quoi me faire pas mal de potions, c'est cool. En plus ça me redonnait un petit peu d'eau. Oh là là. Là c'est vraiment difficile pour moi, c'est dangereux, dangereux. Alors on va boire tout de suite. Voilà. voilà. Du coup, ça regène. Est-ce que je me fais à nouveau une autre potion? Je vais peut-être attendre que la potion prenne fin parce que je sais pas si les effets se stackent en valeur ou en durée ou pas du tout. Donc, ouais, finalement, je reste là. Et... alors maintenant l'histoire de ça. Voilà. Protégé comme il le faut. Oh non, c'est génial. C'est génial. Bon bah alors maintenant ils veulent quoi? Ah, ils veulent qu'on ramasse le charbon. Bah là on en a 20aine, on va tout ramasser. Hop, bon, 20aine. On va prendre 20aine, je vais garder le reste. Je sais pas s'il y a une raison qu'ils me disent de ramasser 20, peut-être qu'ils ont une autre quête avec plus de charbon. Et j'ai pas envie de tout dépenser maintenant. Donc toi tu vas là-dedans. Maintenant il me demande d'extraire au moins 50 grammes du dandelion. Ouh, ok, alors j'en ai. Est-ce que j'en ai encore sur moi? Non, mais il doit y en avoir à côté, j'en ai vu.
Oui, il y en a là, mais là, c'est à côté de la zone. Ouais. C'est no go. Alors, on va y aller. Il y en a partout, de toute façon. Il y en a partout. Ah, là. Donc, 50 grammes de sel. C'était bien ça, effectivement. J'avais lu la description. Et ça me disait bien ça. Donc, Dandelion, c'est le pissenlit, hein, si je me gourre pas. Je l'ai dit plusieurs fois, le nom me fait rire, c'est pour ça. Ah, là. Plus. Ah, oh, mais il y en a là. Parfait, ça vient 5 par 5, donc ça monte super vite. Ah, ici. Dead Coyote. Ah oui, ok. Ah, c'est le coyote qu'on a tué tout à l'heure. Donc, on retourne. Et j'ai regardé pour faire du cuir, il me faut une bassine dans laquelle on va mettre de l'eau et du sel. Hein, c'est dans la description. Et la bassine se fait dans l'atelier de poterie qui lui va demander 25 briques. Et ouais, alors. Toi, on va voir. Et si je comprends bien, il faut faire sécher là. Donc toi, tu retournes en main. C'est ici, probablement. J'espère. Alors, est-ce que je peux faire cuire des champis? Donc, si je te mets là, et genre je mets ce champi. Non. Champi. Non. Est-ce qu'il faut de l'eau? Oula, me fait pas. J'ai pas envie de boire de l'eau contaminée, donc. Je vais devoir les manger crus, je pense. Pas grave. Ça va me faire du bien quand même. On monte. Je vais manger une saucisse parce que là, l'état empire. Et plus ça empire, moins c'est nourrissant. Ah, je me suis gouré, je crois que j'ai mis ça là pour sécher au lieu de mettre ça. D'accord, c'est ça les pissenlits. Et donc là maintenant je vais passer au creuset qu'il faut fabriquer, c'est celui-là. Hop, on va te faire sécher ici. Bois. On va faire. Ouh, 48 grammes. Oh, pas loin de ce qu'il me faut. Donc toi, t'es en train de sécher. Et franchement, on n'est pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Je pensais qu'il serait pire notre situation. Hein. Mais là. J'avais pas plus de. Parce que j'ai mis mon. Mon cuivre. Ah oui, non, 98, oui, voilà. J'ai vu 18, mais ah, quoi? Bon. Ah ouais. Alors ici, on a nos 48 grammes de sel. Mais il nous en faut un tout petit peu plus. Est-ce que je peux pas en trouver un juste à côté en espérant qu'il n'y ait pas de prédateurs? Il y en a vraiment partout du pissenlit. Je me rappelle quand j'étais chez mes grands-parents, mon grand-père était toujours furax parce que j'adorais souffler dessus, vous voyez, pour envoyer les petits trucs volés. Et du coup, il se retrouvait avec un jardin rempli de pissenlits. Vu que ça se répandait comme pas possible, là, il me courait après, il disait, arrête, arrête! Ça me faisait marrer. Bon, alors. Voilà. Hop. Hop. Ça devrait faire l'affaire. Peut-être là. Ah, ça, c'est des baies. Ça, c'est de la corde. Je vais avoir. Alors, il fait nuit. Je pense que je vais devoir faire dodo, là. Je sais vraiment pas ce qui m'attend. Le problème, c'est que si je fais dodo. Il y a toujours le risque que je me rapproche du danger. Ah, camomille. Ouais, c'est excellent. Excellent. Plein de sel. Ok, on repart. On repart. Je suis un petit peu bas en point de vie. Alors, je n'ai plus l'effet de regen, il me semble. Ouais, par contre, la camomille toujours me sape mon énergie.
Maintenant que je sais à quoi ça sert, j'en veux. Enfin, je savais à quoi ça sert. Oh, place. Je savais à quoi ça servait, mais je n'avais pas d'utilité directe. Je vais dans le bon sens là. Ouais, je crois qu'ils sont de l'autre côté de cet endroit. Ouais. Le feu a une heure, donc on va devoir couper un peu de bois. Pour qu'il tienne la nuit, pas qu'on se fasse bouffer dans notre sommeil, quoi, ce serait dommage. Et j'ai fait ma petite... je sais pas comment la décrire, la protection, la petite mini-tente en... Voilà, mais il pleut pas. Je l'ai faite pour me protéger de la pluie. Et toujours pas utile pour le moment. Alors... Voilà, alors il nous faut... toi... Ah, il me faut une surface, ok. Quoique, je vais attendre un petit peu. Parce que je veux à nouveau, avant de dormir, je veux profiter du rogène. Vu que le bœuf devrait partir pendant la nuit. Il aime bien sauvegarder à ce moment-là. Ah, c'est clic droit quand t'es dans l'autre main, d'accord. Bon, on fait ça et on va dodo une fois qu'on a notre potion. D'ailleurs, pendant ce temps, on a ça de près. On va te mettre là-dedans. Très bien, ensuite, le moule. Le moule de la scie. Alors, je dois avoir de l'argile quelque part. Là, parfait. Donc, est-ce qu'on peut faire un moule avec? Ouais, ok. Un petit peu trop. Hein. Avec toi, un moule de scie, ils veulent. Là, en avant. Ça va probablement tomber par terre parce qu'on a passé. Hop. On te ramasse. On va te faire sécher. Ici. Toi. Fort, c'est parfait. Un autre gène. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Oh là là. Et là, tous les champignons. J'espère que cet endroit ne se... Tu te rapproches de moi ou... Voilà. C'est parti. Le feu va durer 5 heures. On va mettre... Parce que je sais pas combien de temps va durer la nuit. De toute façon, demain matin, je veux profiter du feu. Le jeu est fun, quoi. C'est très classe. Ça fonctionne. Allez, on se couche. Et demain, on va avoir beaucoup de sel. Dans 7 heures, on doit dormir 8 heures. Ok, c'est bon. Il va rester 3 minutes avant que le feu s'éteigne. Ah, et on a terminé, je suppose, la quête qui nous demandait de faire le moule. Ok, ouh. Ouais. Quel truc, j'aurais dû mettre plus loin. Ah, toi. 120 grammes. Pam. C'est fait. On a besoin d'eau. Toujours de l'eau. Il me faut trouver un moyen d'avoir un plus gros bol parce que... Voilà. Ah, il me faut du feu. Du bois. Du coup, alors... Mettre le moule. Le moule est normalement là-dedans. On le prend. On place là devant. C'est où le trou ? Je crois que le trou est là. Hop. Et maintenant, une journée avant leur arrivée. Ah, il faut de l'ail. J'en ai vu, mince, quand j'explorais. J'ai pas ramassé. De la viande de lapin. Ok, fait fondre au moins 500 ml de bronze. Alors. Bronze se fait probablement... Avec ça. Pauvre qualité. Si je mets plus de ça. Ok, qualité moyenne. Si je diminue
Bonne qualité. Qualité pas top. Ok, c'est ça. Donc il faut, je dirais, un sixième. Je peux pas avoir une meilleure qualité. Alors si je fais ça, j'ai 725 millilitres. Donc, ça me fait bizarre de parler du métal en millilitres. Ah, il faut déjà allumer le feu. La température monte. Et c'est parti. Oh, oh, génial. Je peux manger le champignon blanc là. Non, il a l'air pourri, je vais pas prendre le risque. Quand on est dans une situation où on est en danger comme ça, il y a des risques à éviter. Alors, du coup, avec tout ça, il me faut trouver de l'ail. Et je me rappelle plus trop où je l'ai vu, pour être franc. Et ça m'a pas l'air d'être super courant. Le lapin, on a le piège, je sais pas où est-ce qu'il en est, s'il y a un lapin qui a été piégé. Mais et d'ailleurs le problème, est-ce que ça va complètement retirer la maladie? Est-ce que cuir... Je crois pas, non, cuir ne la vire pas, vu qu'on a pu voir avec le lapin qu'on a cuisiné avant. Donc ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, ça a super bien fonctionné. J'ai récupéré quasiment tous mes points de vie. Le problème reste ma soif. J'aurais dû boire un petit peu avant de partir. Est-ce que les baies le font remonter? Non, je crois que c'est juste la fin, les baies, malheureusement. Bon, on est bas également, enfin. Donc... Alors, j'ai ramassé quelques champis sur le chemin. Ah non, ça nous remonte bien de l'eau également. Parfait. Mmh. Plus 0,09, ça remonte tellement peu en fait qu'on voit pas la différence. Ah, ça y est. Ouh, je suis allé un petit peu loin. J'en ai obtenu deux, c'est les deux qu'il nous fallait, mais... Bref, franchement, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. On va voir s'il y en a d'autres dans la région. Parce que... On est où, là? On est là. Okay. Alors, il y a pas mal de vent. Je me dis peut-être qu'une tempête approche. Je me demande ce qui se passe si les bonhommes se ramènent les deux qui sont... Les deux, je dis même pas si deux... Ils ont dit nous, on vous a vu, donc je suppose qu'il y en a au moins deux. Mais s'ils se ramènent quand on n'est pas à la base, qu'ils partent, ils me laissent. Tranquille. J'ai vu quelque chose là-bas. Ok, les baies. Ouais, bah je pense qu'on va devoir rentrer et voir... Parce que j'ai peur que mon métal... mon métal fondu se solidifie, quoi. Parce que ce jeu, il est réaliste, donc c'est une possibilité. Quand on fait bouillir de l'eau, on n'obtient pas la quantité d'eau que l'on a fait bouillir. On obtient ça, moins une partie qui s'est évaporée. Donc, oula, c'est moi ou non? C'est juste un nuage qui doit passer au-dessus. Hop. Bon, allez, on va rentrer avec ça. Ouh. Un deuxième. Dommage, je n'ai pas de graines. Mais donc, ouais, sur le retour, j'en ai un tout petit peu. Pas mal. Alors... Du coup, ça. Je le mets là. Voilà. On peut laisser dedans, je suppose, pour être l'extra. Maintenant. D'accord, ça. Ok, ça se réchauffe. Alors, maintenant, il nous faut du bois, parce qu'on est un petit peu juste. Et on a justement... Là. Alors, là, je n'ai pas la fonctionnalité pour accélérer la coupe. Le développeur a dit qu'il réfléchit à la rajouter. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va arriver plus tard. Parce que c'est là juste pour la fabrication, mais pas pour la récolte. Et il a dit qu'il va peut-être la mettre en place pour la récolte. Alors, hop. Non. Voilà. Donc, il me faut relancer le feu principal. Et un jour, il me faudra une meilleure hache, parce que non seulement celle-ci va casser, bon, elle a l'air de tenir le coup, mais surtout, elle est trop lente pour les gros arbres. Donc ouais, c'est un problème.
Ça me fait rire quand je coupe, parce que mon père a acheté récemment une petite forêt, enfin, il y a quelques... voilà, une toute petite. Et depuis qu'il l'a, il ne fait que parler d'arbres et de qualité. Et de qualité de bois, d'arbres. Ah, purée. Ok, ça ne m'a pas fait perdre trop de points de vie. Où ici, l'ai mis où? Je l'ai mis dedans, mais j'ai pas le temps. Voilà. Ok, maintenant on va te faire bouillir déjà. Et alors, oui, est-ce qu'on a notre lapin? Oh. Ah, il est mort. Ça, c'est inquiétant. Parce que s'il est mort, il est peut-être. Il est plus comestible. Ok. On va reposer toi. Là. Et on va le laisser faire son boulot. Ça fait quelques temps que je l'ai laissé traîner. Là-bas, il a probablement été bouffé par les prédateurs et tout. Toi. On l'examine. Ok. Tu ramasses ? Très bien. Et ça, oh, c'est génial. Du coup, ça, je peux faire une autre scie avec. Génial, le moule. C'est le but du moule, hein, de faire plusieurs fois la même chose. Ah, génial. Alors, maintenant, il faut créer... Bronze Hanso. Ok, bon, on va y aller. C'est toi. Oh, une ça. Ok. Ça, il me faut un bâton. Ok, on va avoir ça. S'il n'y en a pas là. On va dans la forêt. Je devrais pas aller du côté là pour pas faire peur au lapin. Juste un stick, un bâton. Oh ! Ah, c'est lui ! Ok, c'est lui. Zut, j'aurais peut-être pu le surprendre. Yes. Si j'avais agi instantanément. Il va peut-être me réattaquer au final. Hein. Non, ok. Ah, est-ce que je peux péter un bâton pour obtenir un petit bâton ? Non. Incroyable. C'est là que j'en ai besoin et impossible de le trouver. Je veux par contre. Ah, c'est l'espace. C'est quoi? On va manger tout ça. C'est parti. ça va faire de l'espace. Allez. Je vais remonter la barre également. Donc c'est 2B pour 1 de faim. Je suppose qu'il y a un moyen peut-être de faire la confiture ou un truc du genre. Mais bon, il y en a partout des baies, donc je retrouverai quand il le faut. Voilà. Je vais à la recherche d'un bâton. Ah bah voilà, mais dis donc. Maintenant. Ah, pas de place. Ouh là, il y a du vent là. Là, il y a du vent. Donc si je prends ça. Et ça. Et ensuite. Il faut la réchauffer. Ok. On est reparti. Je chauffe là-dedans. Non, probablement là-dedans du coup. Qu'est-ce que ça fait là? Ok. Ici, d'accord. Ah ouais, non, non, non. je veux le chauffer, je veux pas en faire. Te mets là. Non. Ah, il est devenu solidifié. Mince, comment je te chauffe? Ah non, j'ai rien dit, il n'y avait pas besoin, j'étais juste dans le mauvais. Ok. Donc là, c'est mon premier outil. Tu vas là. La durabilité est basse. En fait, c'est peut-être pas la durabilité, c'est peut-être la qualité de l'arme. De l'outil, je suppose. Non, condition, l'état, d'accord. Ah, très bien. Et ça, je peux te refaire. Alors, je peux te démonter, d'accord.
Et donc du coup la suite, la poterie, c'est la suite. Alors qu'est-ce que je peux faire avec cette scie? Je peux rien faire. Est-ce que si je pète un arbre, je peux... On va voir si on peut scier rapidement. Ouh, je commence à avoir soif. Ça, c'est pas bon. On va boire tout de suite. Je crois que j'ai... Ouais. Ok, c'est de l'eau potable. On va tout de suite remettre ça à bouillir. Non, c'est cool, il y a vraiment une impression de progression. Je débloque des containers plus grands, je construis de nouvelles choses, je découvre de nouvelles ressources. Ça, c'est bien maîtrisé, c'est très cool. Alors, maintenant, on va prendre la scie. Quoi? Je crois que j'ai pris le couteau, d'accord. Ouh. Oh, j'ai mes planches, j'en ai besoin pour plein de choses. Donc c'est deux planches par contre par rond, hein, donc comme deux bûches pour le chauffage. Oh, ça va me débloquer tellement de bonnes choses. Tellement de bonnes choses, c'est génial. Toi, t'es toujours en train, parfait. Ça c'est classe, hein. Je vous l'ai dit que mon bronze allait se durcir, que ça va être à l'heure. Ah là là, le développeur, il rigole pas. Bon, bah alors du coup, je sais quelle est ma prochaine étape. Il faut faire l'atelier de poterie pour débloquer la bassine, pour tremper les pots que l'on va ensuite faire sécher ici et que l'on va pouvoir utiliser. Là, pas, il est passé à côté. Et que l'on va pouvoir utiliser pour... on va déplacer. Faire des sacs, des gourdes et toutes ces choses. Ok, on va te mettre là. J'espère que ça va avoir un meilleur effet à l'intérieur. Là-bas, le monde arrive demain. Donc ça sera dans un autre épisode. Et moi, j'espère que vous avez aimé cette petite aventure. On continue. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.